Salut à tous, c'est Pouchka et je suis accompagnée de Le Luron. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes rédacteurs chez Somua.com. Le Luron a pu tester Battlefield 4 lors de la Gamescom, l'occasion pour nous de revenir sur ses impressions et de partager avec vous quelques infos sur fond de gameplay. Donc oui, salut à tous. Donc effectivement, on a pu tester à la Gamescom Battlefield 4 sur la map Paracel Storm, donc en conquête et en oblitération, en mode oblitération. Donc là, en l'occurrence, c'est le mode oblitération que vous voyez. Donc le mode oblitération, c'est quoi? C'est un mode donc, qui propose une bombe spawn n'importe où aléatoirement sur la map. Donc le but va être aux deux équipes d'aller se précipiter pour aller la chercher et de planter donc la bombe sur un des trois objectifs que vous pouvez voir sur la carte. Donc c'est les flèches oranges, c'est ça? Exactement, là qu'on voit. Donc chaque équipe en possède trois et donc doit protéger les siens et en même temps attaquer ceux de l'ennemi. D'accord, et il y a une seule bombe pour les deux équipes. Exactement. Ok, d'accord. Une fois qu'elle est posée, comment ça se passe? C'est un petit peu comme en ruée, c'est-à-dire on peut la désarmer ou... Ouais, exactement. C'est sensiblement la même chose que la ruée. Donc l'ennemi va planter la bombe et nous, ça va être d'aller au plus vite pour aller la désamorcer, la couvrir, etc. D'accord. Donc là, on le voit, t'es en jet ski. J'ai l'impression que tu galères un petit peu à le manier. Il est un petit peu, hein, ouais, il a l'air un peu lourd, quoi. Exactement. C'est vrai que le jet ski est très très lourd. Là, d'ailleurs, on va le voir sur la vidéo. Je vais essayer de tourner et finalement, je vais pas y arriver. Enfin, pourtant, je peux vous garantir que. Ah ouais, là, je vois que déjà tu galères. Voilà, exactement. C'est vraiment, on a vraiment l'impression de piloter un porte-avions quand on est aux commandes de ouais, jet ski. Tu t'arrêtes et tu tournes, quoi. Exactement, c'est vraiment une galère. J'espère qu'ils vont changer ça parce que bon, le jet ski c'est censé être super rapide et super maniable. Ouais, un petit peu comme le quad, quoi. Ouais, exactement. Bon, c'est pas encore le cas pour l'instant. Après, là, c'était vraiment une version alpha. Hein. Mm-hmm. Ça pourra changer encore dans la version qui sort dans plus de 2 mois. Bon, je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. C'est un détail. D'accord. Donc là, c'est toi qui as la bombe. On le voit. Hein, ouais, exactement. On voit la lumière rouge, donc la bombe qui clignote autour de moi, donc je l'ai dans mon dos certainement. Les grenades sont mieux affichées, non, sur la carte? Je vois qu'il y a des icônes qui clignotent, un petit peu de grenades, ouais, un peu plus flagrant que sur BF3. On l'a vu exactement, et avec une petite traînée derrière la grenade, une traînée comme une espèce de fumée donc qui permet de les voir arriver. Et ouais. Même au niveau du HUD, oui, c'est vrai qu'on les voit quand même beaucoup mieux. D'accord. Elles sont mieux représentées. Donc, là, pareil, au moment de spawn, il y a un petit, on l'a vu rapidement, il y a un petit écran pour voir un petit peu la vue de la personne sur qui tu spawns, c'est ça? Exactement, ouais. C'est vraiment vraiment super pratique. Dans Battlefield 3, des fois, on spawnait un peu à l'aveugle. Ouais. On croit que notre coéquipier est bien caché, en fait, non, rien à voir, il est en plein milieu de la rue, en train de se faire bombarder. Bah, c'est ça, sur Battlefield 3, c'est en vue à la troisième personne, le ouais, spawn, exactement. Alors que là, c'est en première personne, on a vraiment en première la vue personne, comme donc si... On se rend vraiment ouais. plus compte que ce que notre coéquipier est en train de vivre, et du coup, le sélectionner ou pas, suivant ce qui se passe à l'écran. D'accord, ouais, c'est plutôt pas mal. Et du coup, tu as pu tester un petit peu les classes et tout, parce qu'on le sait, il y a eu des changements. Le Rokon qui pourra accéder au C4 et au Claymore, au même titre que le soutien, hein, faut le dire quand même qu'il les conserve aussi, certains ne le savent peut-être pas. Et l'assaut qui pourra plus faire de réanimation en boucle, ce sera plus du métro réa, réa, réa. En fait, au bout de 3 réanimations, il faudra attendre un petit laps de temps pour que les défibrillateurs se rechargent, un petit peu comme le chamumeau de BF3. Est-ce que tu l'as ressenti ça du coup dans le gameplay? Ou pas du tout? Alors pour être franc, je suis pas un gros joueur de la classe assaut, donc médecin. Je suis plutôt ingénieur ou support, même si dans la vidéo actuelle ça se voit pas forcément. Ouais. Donc je pourrais pas vraiment répondre à la question, mais c'est vrai que ça peut quand même grandement aider les choses. C'est vrai que sur Battlefield 3 on avait tendance à se faire réanimer. On voit le médecin qui court vers nous, quitte à mourir, tout ça pour faire ses 100 points et pour voilà, pour nous réanimer. Donc au final, on se fait tuer derrière. C'est vraiment inutile, quoi. Mais bon, voilà, le mec il a fait ses 100 points, il est content. Là, heureusement, ce sera plus le cas dans PF4. On verra les et changements sur le champ de bataille. Ça va quand même bien équilibrer les classes aussi au niveau des ouais. points pour chaque classe. Là, on le voit. Donc la tempête s'est déclenchée, ça se fait vraiment progressivement, quoi. On s'en est presque pas rendu compte et d'un ouais, coup on se retrouve pris ouais, dans une tempête. Ouais, dans ça, un ça change monstre, vraiment le gameplay, tu trouves, à ce niveau-là?
Ouais, donc du coup là on a pu voir donc la tempête s'est déclenchée. Du coup j'ai favorisé le déplacement aérien plutôt que maritime parce Ouais. qu'on le verra un peu plus loin dans la vidéo. En bateau c'est vraiment la galère dans la dans la au milieu des vagues et etc. C'est vraiment la galère pour se déplacer. Du coup bon favoriser peut-être le Z11 en l'occurrence là. Donc qui est quand même beaucoup plus maniable qu'un bateau en pleine mer. Je trouve qu'il est plus maniable que celui de BF3 du coup. Clairement, oui. Plus maniable, Ouais. plus rapide. Ils ont vraiment fait quelques changements sur les véhicules présents sur Battlefield 3, ce qui est pas plus mal. C'est vrai que le Z11 pour un véhicule, enfin le Z11 d'ailleurs comme le Little Bird, pour des véhicules aériens qui se valaient rapide, éclaireur, c'était pas vraiment le cas. Là, c'est clairement le cas maintenant. Donc c'est vraiment pas plus mal. D'accord. Mais là, on le voit quand même, la carte est vraiment divisée en petites îles. Donc, finalement, on n'a pas le choix que de passer par des véhicules maritimes, entre guillemets, et on est Oui, obligé de voilà. prendre un bateau, un jet ski ou quoi que ce soit pour... Oui, voilà, ou alors à la nage, mais bon, c'est vrai que c'est deux temps, surtout qu'on est assez vulnérable en plein milieu des vagues, se manger Ouais. un bateau ou même se prendre des balles. Là, on C'est l'a vrai que vu, les véhicules. tu nageais sous l'eau, du coup, t'as une jauge un petit peu de respiration ou quelque chose? Alors non, on n'aura pas de jauge, ça va. On peut rester, je dirais, 5 à 6 secondes sous l'eau avant que tout simplement, en fait, comme si on se prenait des balles, notre joueur va se prendre des dégâts, tout simplement parce qu'il a plus d'air pour respirer. Donc D'accord. on va perdre 10 par 10. Bon, on aura quand même largement le temps de remonter à la surface pour Ouais, reprendre de bah l'oxygène. normal, on n'est pas des champions de l'apnée non plus quoi. Exactement. Ok, et on le sait aussi qu'il y aura des armes à découvrir sur la carte. Il y a l'USAS 12 et le M82A3, qui sont en fait des armes qui ne sont pas du tout accessibles pendant la progression du multi. Et du coup, elles sont accessibles juste sur la map. On peut les trouver un petit peu comme dans le mode Scavenger, c'est ça, hein? Non, exactement, elles sont posées par terre sur des caisses en fait, tout D'accord, et du simplement. coup elles ont des munitions limitées, il me semble, et on peut pas les recharger. Et quand on change de kit, en fait elles tombent à terre. Voilà, Si on exactement. prend son arme secondaire ou quoi que ce soit, elles tombent à terre et on retrouve notre arme principale qu'on avait à la base. C'est donc ça? Voilà, ou même on va prendre un gadget tant pour réanimer un coéquipier ou pour réparer un véhicule à l'aide d'un chalumeau, l'arme va tomber au sol. Et donc, on reprend notre pack d'origine qu'on avait sur nous. D'accord. D'ailleurs, on a pu le voir aussi au niveau des armes, il y a eu un remaniement. On sait que le sniper, par exemple, pourra avoir son fusil de précision et un shotgun en arme En secondaire. arme secondaire. Ouais. Est-ce que tu as trouvé un petit peu une différence au niveau des armes, que ce soit au niveau de la maniabilité, du son ou quoi que ce soit? Est-ce que par rapport à Battlefield 3, il y a une réelle différence? Alors clairement, je parlais déjà dans un premier temps de la bande son. Au Ouais. niveau des armes, dans Battlefield 3, c'était vraiment excellent. Mais dans Battlefield 4, c'est encore mieux. C'est vrai que c'est assez dur à expliquer. J'espère qu'on l'entendra bien dans la vidéo. Sinon, sur la chaîne Somia, on dispose de vidéos de Battlefield 4 non commentées. Donc si vous voulez apprécier le son des armes, faites-vous plaisir. Là, c'est vrai que plusieurs fois, on le verra par la suite, je vais tirer au magnum. C'est vrai qu'il y a un effet de balle. On a vraiment l'impression d'avoir une arme à la main. Enfin, c'est vrai, au niveau de l'immersion, c'est vraiment le top du top, hein. Là, j'ai jamais vu ça dans un autre jeu pour l'instant que sur Battlefield 4. Le son Ouais. est vraiment, vraiment impressionnant. Et après, au niveau de la maniabilité des armes, tu le trouves mieux ou... Alors, pour avoir joué à l'AEK donc sur Battlefield 4, c'est vrai que c'est totalement différent de ce que c'est sur Battlefield 3. Sur Battlefield 3, l'AEK, Ça c'est tire ça tout tire tout droit. droit. Voilà, c'est une arme assez cheatée, on va le dire. C'est vrai. Et c'est vrai que là, c'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup plus de recul sur l'arme. Elle est beaucoup plus, comment dire, difficile à utiliser, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que Hey, wake up. chaque joueur au final pourra vraiment posséder son arme à lui, l'arme qui lui correspond tout simplement. Et c'est vraiment pas plus mal quoi, ça évitera peut-être de voir des M16 de partout comme sur Battlefield 3. Ouais, c'est vrai que ça risque de forcer un petit peu les gens à tester À plusieurs vraiment armes trouver et leur arme qui leur correspond le mieux.
Ouais, c'est pas plus mal, hein, finalement, d'avoir augmenté un petit peu le recul. Et pour les véhicules, tu trouves au niveau des armes des véhicules qu'elles sont puissantes ou t'as pu Alors tester un petit le... peu? Oui, j'ai testé un peu le bateau, donc une espèce de... Comment dire, un bateau d'attaque, mi-attaque, mi, Ouais, c'est un bateau de ça. débarquement, oui, avec les deux jet skis à l'arrière, donc pour évacuer. Clairement, ce bateau est vraiment assez puissant, surtout quand on croise un jet ski ou un Sur véhicule plus léger. l'infanterie Donc on en, aussi, non? voilà, on en voit un, on vient d'en voir un passer en fond, ou tout simplement on a une épave là juste à côté. Ouais. C'est vrai que c'est un bateau assez balèze. En plus de ça, en arme donc principale, il dispose donc comme les canons des véhicules blindés de transport de troupes qu'il y avait donc sur Battlefield 3, les espèces de chars légers à 6 roues qu'il y avait, bah, par exemple sur Strike at Carcande, Ouais. dans le pack de Carcande, dans le premier DLC. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup, je trouve, quand j'ai pris ce véhicule, on le retrouve beaucoup de similitudes. Surtout qu'en arme D'accord. secondaire, on a un missile téléguidé qu'on peut diriger donc à la souris ou à la manette, hein, suivant le support. Comme le missile TV de l'hélico, en fait. Voilà, exactement. Ouais, on a Ok. un missile de ce style. Bon, c'est vrai que c'est assez, le bateau est assez puissant. Bon, à voir dans la version finale si ce sera toujours le cas. On l'a vu aussi, les ordres qu'on peut donner en fait dans le jeu sont répercutés dans le chat Ouais, directement. exactement. Ouais. Bah, Ça, c'est c'est vrai aussi une que nouveauté. ah, c'est vraiment pas plus mal, parce que c'est vrai que sur BF3, la commo rose, y a pas à dire, sur PC c'était vraiment inutile, quoi. Bon, à part pour demander des munitions et du soin, mais alors le reste, le merci, go 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 et compagnie, bon, ça va à rien, hein, clairement. Et Ouais. là, c'est vrai que le fait qu'ils y aient directement incorporé dans le chat, ça peut au final forcer les joueurs, parce qu'au final il suffit d'appuyer sur A et mettre un petit coup de souris sur la droite ou la gauche, et voilà, pour donner l'ordre. Et c'est vrai que c'est vraiment ça, un petit plus qui est bon à prendre. Et t'as senti que ça a engagé un petit peu plus le teamplay ou... Ah oui, certainement. Ça c'est sûr. D'accord. C'est vrai qu'on le voit, tu te fais quand même pas beaucoup réanimer. Ah là, ça y est, tu viens d'avoir une réa, tu peux peut-être Alors oui, nous expliquer. la réanimation, oui, qui est beaucoup mieux foutue que sur Battlefield 3. Donc sur Battlefield 3, c'est vrai qu'on restait à terre, il fallait spammer la touche espace pour pouvoir se relever. Là, c'est plus le cas. En fait, ce sera un bot. On sera directement debout et ce sera un bot qui va contrôler notre joueur pendant quelques secondes. Et si on accepte la réanimation, donc on va prendre le contrôle du bot. Donc c'est vrai qu'on va directement se retrouver en plein milieu directement de nouveau sur le champ de bataille, et c'est vraiment pas plus mal. D'accord. Eh bien, on espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous avez pu faire le plein d'informations avec nous. N'hésitez pas à regarder nos autres gameplays bruts pour justement entendre le son du jeu. Et on vous dit à bientôt. Salut! Merci, à bientôt.